Salut les gens, on est de retour avec votre quatuor préféré sur Baldur's Gate 3. Salut les gars. Coucou. Hello. Salut. Ouais, j'ai la flemme de nous nommer maintenant, c'est bon, ça fait 23 épisodes, ils savent qui on est. Oh putain, ouais. Range ta flûte. On part dans le col des montagnes. Ah ouais, vas-y. Allez go. J'ai envie de remonter le col. Oh cette flûte. Oh. Ah oui, ça serait bien pour commencer l'épisode. Ah, je croyais. Mais ouais. Hein. Encore. Mais ah non, on passe notre vie à faire ça. J'en ai trop le cul. Mais non, 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 non. Moi, je pense qu'il m'en fout là. Head the. Ah putain, on peut pas. On peut parler à qui? À la baie Carlache. Ah 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 ah. Infernal engine for a heart. Let me burn as hot as the hells. Things been running in overdrive since I left Avernus. Won't be seeing my mechanic anytime soon, so I've been making the most of the extra heat. But it's meant I can't get too friendly. If I'm excited, nervous, scared, I'll light you up like a firework. Nani? Sympatoche. Ah mais Nani se fait qu'elle va rembarrer et elle prend l'espèce de truc là. Serais-tu jaloux? Non, pas du tout, c'est pas mon style. Ouais, vous voulez pas finir en torche humaine pendant que vous faisiez des câlins, c'est tout. Ouais, c'est ça. Well then, maybe I could make his acquaintance. A Titan screw or two might let me keep a little calmer. Maybe even manage a pat or bump without burning someone to death. It's been a long time. If you can lead the way, I'll gladly follow. Ouais, moi si je te parle maintenant tu vas me refouler aussi. Et quoi, on est obligé de dormir du coup? Mais on avait tout claqué, ça fait quoi, trois élixirs claqués pour rien là? Moi j'ai pas pris d'élixir. Ah tu l'as voulu, ouais. Moi non plus. Non. Non. Élixir de force des gens des montagnes. Ah, et regardez, c'est ce caillou, vous avez vu, il est superbe. Il est super. Est-ce que vous avez vu cet arbre tomber au sol? Il est magnifique. Je l'ai pas encore vu. Moi, je pense que ceci est un sapin. Hein, moi, voilà. J'ai parlé à l'ourson Hisbou. Le Hisbou. Est-ce que tu es heureux ici? Ah, tu m'as fait peur. J'ai cru que tu tapais sur l'ancien. Attends, vas-y, moi aussi je vais taper sur là. Il y a une chance sur deux pour que je me stun. Attention, 3, 2, 1, c'est parti. Ah non, ah. Ah non, toujours pas. Oh. Ouais, je me stun pas. Ah, peut-être parce que je vais. Oh, voilà, j'ai l'animation de. Ah, si. Il est tellement mignon. Alors, attention, parce que tu peux peut-être pas me jeter, mais l'inverse c'est possible. Attends, bouge pas. Attends, non, bouge pas. Viens là. Qu'est-ce que vous foutez? Ah ouais, si je peux te jeter. Bon, bah ouais, tu peux. Ah ouais, parce que c'est un succès que j'ai pas fait sur ma partie parce que je croyais qu'il fallait prendre un adversaire pour le jeter sur l'autre, mais en fait, il faut que tu prennes un adversaire pour taper sur l'autre. J'ai vraiment bien envie d'essayer de faire une arme improvisée. Il y a Gratouille, mais attends, il faut que je fasse la potion. Gratouille, viens me parler. Je vais parler à Gratouille. Je t'avoue que je vais pas prendre l'élixir tant que c'est pas sûr qu'il y a un combat. Parce que là, ouais, moi aussi je commence à avoir. Il a piqué la bourse de quelqu'un. Ah, vas-y, il file là-dessus. I don't know. Maybe you can tell me. All I know is I thought of you when I saw it. Mais j'ai pas un beau toutou. Elle est sympa ton armure en vrai. Qui va, moi? C'est pas l'armure de la Kitianki là? Non, c'est une armure de drow. De drow? Ça se voit avec l'espèce de. Tête de mort en plein torse. Quoi? Elles sont superbes. Eh ben, j'ai reçu un os. Ah bah super, super. D'un chien, t'attendais quoi? Merci Gratouille. Il y a. Si tu veux, y a Gale qui veut parler. Encore? Mais pas vraiment, c'est bon. On lui parle plus à Gale, partons du principe qu'on lui parle plus la prochaine fois qu'on le voit on le tue et on en parle plus. Non, on peut pas. T'as essayé? Je me suis fait spoil. Ah.
Encore ? Donne-lui un artefact. Non, bah, ah non. J'ai gardé plein d'artefacts exprès pour lui, on s'en fout. Hein. Ah ouais, sans clair, pas dans tes sacs. Ils sont dans mon coffre de campement, c'est bon. Ouais, dague rituelle, ce sera très bien. Il va nous faire un petit tour, tu sais, comme les ceux qui avalent les labs là. Eh gros. Hello, les labs. Oh, oh, tu sais, on est tout ça. Oh, oh. Ah non, non. Et le tout sans s'ouvrir les veines. Thank you. Personne n'est mort. Foutu junkie. Dans ces moments-là, faudrait le mettre à poil pour voir comment ça marche, son tatouage. Là, t'as bien vu qu'il s'allumait. Bah oui, justement, mais du coup, ça m'intrigue. Oui, pas. My hunger only grows. Listen, I need to speak to you, to all of you. It would be unconscionable of me to remain silent. Ah, il va lâcher les morceaux. Ah ouais, alors... Allez-y, nous sommes en train. C'est un détail d'importance. Ah ouais. Ouais, vous allez voir, c'est pas mal, moi j'aime beaucoup. Might just be about to remedy that. Ah. You have to know who I was. You have to know who I really am. Je suis un connard. Is a walking shadow of the promise I once held. I'm what one might call a wizard prodigy. You from an early age could not only control the weave, but compose it. Much like a musician or a poet. Such was my skill that it earned me the attention of the mother of magic herself. The Lady of Mysteries, the Goddess Mystra. She revealed herself to me and she became my teacher. In time, she became my muse. And later, even my lover. Ah, le mec, il a baisé une déesse, quoi. Ah, c'est pas mal, non ? Ah bah, écoute. Oh, yes. Ah bah tiens, j'ai justement la question. Oh, company. Yeah. Body, mind and soul. But even so, I desired more. You see, no matter how powerful a wizard we mortals can become, we never scratch more than the surface of the weave. Mystra keeps us in check. There are boundaries she doesn't let us cross. Yet, every time I was with her, I stood on the precipice, gazing into the wonders that lay beyond. I sought to cross her boundaries. Il voulait pénétrer ses frontières. Mm-hmm. I tried to convince her. I pouted. I pleaded. Swore my ambition was only to serve her better. She only smiled and told me to be contented. Inconceivable as it seems to me now, I shared a bed with a goddess. Yet I wasn't satisfied. So I sought to prove myself worthy to her instead. We come now to the crux of my folly. Shall I share the story behind it, or would you rather head straight to its sordid finale? Je pense que on va faire passer les détails. Ouais. Suffice it to say, I obtained an obscure and ancient book. Locked away inside, genre comme celui que Arda a dans son inventaire. Was a fragment of primal weave locked out of time. Locked away from Mystra herself. What if, I thought, what if, after all this time, I could return this lost part of herself to the goddess? I was certain that this deed of raw power, draped in romance, would convince Mystra to take me by the hand and welcome me into her hitherto forbidden domains. I was mistaken. I obtained the fabled book and took it into my study. As for what happened next, here, place your hand over my heart. Let me show you. Pourquoi il s'agenouille là? Ah ah, c'est au cas où t'es un nain pour avoir plus facile. Ah ouais. Into the dark. You see through Gale's eyes, staring down the corridors of a dread memory. The book bound and suddenly opened. Inside there are no pages, only a swirling mass of blackest weave that pounces. Its teeth
its claws. It's unstoppable as it digs through and becomes part of you. And gods, is it ever hungry. La 4, oh, let's go, fallait dire la 4 pour le but. It wasn't enough to kill me outright. It was only the beginning. Comme il t'a montré ça, il faut redonner un artefact. Putain. This orb, for lack of a better word, is balled up inside my chest. And it needs to be fed. As long as I absorb traces of the weave from potent enough sources, remains quiet. Were it ever to fully destabilize, however. Continuez. I will erupt. Encore? I don't know the exact magnitude of the eruption, but given my studies of Nether East magic, un tiflin qui va exploser. On a un magicien qui va exploser. City the size of Waterdeep. Oh mais putain, la bombe nucléaire. Voilà, le mec, ouais, il a une nuke dans le bide. Ouais, c'est ça quoi, c'est Mister Gay dans South Park quoi. Moi je trouve ça énorme. Moi je le savais. Bah moi pas. Bah moi je oui. Ah, le problème c'est que si on le tue, il peut plus nourrir son machin avec de l'énergie et ça pète. Oui. Ah. But there was no way out. Donc au tout début, si tu le butes, tu meurs. C'est game over. Sérieux? Oh damn. Alors pas immédiatement. Non. Ouais, c'est quelques jours après. C'est vrai? Ouais. Ah, c'est incroyable. C'est trop bien fait. C'est trop bien codé. Genre, il y aurait moyen de le buter, de le laisser là, de passer à un acte suivant ou d'être... Oh, qu'est-ce qui se passe si tu passes les jours mais que t'es dans l'Underdark? Alors, moi personnellement, j'ai fait... dans ma partie, j'ai tenté un truc. Ça m'a fait quand même un game over. Hein. Donc j'étais relief indeed. You truly are a soul that steals my own. From all my new rallied heart, I thank you. I thank you all. I understand if you stand against me. I'm humbled if you stand with me. Ouais, c'est pareil, il est... Either way, I will do my best not to let you down. I stand out of trust. N'est pas unijambiste. Il n'est pas des forêts du Nord. Neither shall I. Ouais. I'll fight. I'll resist as long as I can. J'aime bien les boucles qui ferment sa robe. Aujourd'hui. Moi je l'aime pas du tout, je sais pas pourquoi, vraiment je le déteste. Alors, il y a un passage dans le jeu, s'il y a que ça, parce que enfin, c'est pas important, je vous enverrai un extrait et c'est à mourir de rire. Tous les persos, en gros, ils ont des interactions dans des... comment dire... des coins du jeu qui sont... mais en soi, c'est ridicule. Mais c'est juste à mourir de rire. Tu te retrouves confronté à un truc que tu peux lécher qui est dégueulasse et l'autre il est là, mais qu'est-ce que tu fais, c'est dégueulasse ce que tu fais. Et en gros tu peux y retourner et à la fin il est là, mais arrête de lécher. Il s'énerve sur le perso, franchement ça m'avait fait trop marrer. Bon du après... coup... Ah oui. Ah, qu'est-ce qui se passe? Ah, je pense qu'on arrive dans la zone suivante. Oui, j'ai quitté le camp. Il est sympa le splash art. Ouais. Le quoi? Comment... je sais pas comment dire. L'écran de chargement. Oui, voilà ça. Moi j'ai juste la vue sur l'arc. Non, moi j'ai juste la rivière là. On a fait un long drive juste pour passer de l'autre côté là-bas. Ça pue, les deux gros connards qui sont direct par intimité. Ouais, t'as une corde. J'ai pris une corde et j'ai pris les 5 trucs là. Par contre, c'est vrai que j'avais oublié, tu vois, mais le jeu est beau. Franchement, là. Il y a un détail, là je me suis rendu compte parce que Gale dans ma partie je lui filais des objets dès qu'il m'en demandait. Et là, en l'ayant laissé attendre, je sais pas si vous avez fait gaffe, mais il avait des espèces de... comment dire... tout l'œil là. Ouais, il était... bah tu voyais qu'il était fatigué et genre il y a carrément des mèches blanches qui sont apparues sur ses cheveux. Enfin, il y a en fait un véritable impact sur sa... Ah tiens, une moustache. Vous voulez pas aller par là, là, il y a des morts et tout. Je sais pas, il y a attends, plein y a de chemin la là. Bouffe, là. Une plaque. Mais là, vous allez à la suite déjà. Vous êtes déjà parti à la suite. Ça me... Mais quelle suite? Non, mais de toute façon, on peut en faire les deux. On peut aller voir les morts. Hein. Non, moi je vois emprunter le col de montagne. Ça veut dire que, en non, gros. Mais, là, derrière moi, là, il y a un chariot qui est complètement éclaté avec du sang par terre et tout.
Il y a un berger de la mort avec deux bergers de la mort. Vous voulez des bâtons de la mort? Je vends des bâtons de la mort. Je vends des bâtons de la mort. Vous voulez des bâtons de la mort? Ah, les autres, ils ont décidé de descendre plus bas alors qu'il y avait un chemin sur la gauche. Il y a un vendeur. Ah, ici, là. Attendez, je prends mon élixir. 14, reviens. Quoi? Mais vous allez où? Mais juste là, il y a des mobs morts là. Mais où ça? T'as le chien avec toi, Katox? Ouais, je peux l'invoquer. Attends, mais what? Là, si tu vas voir un poil plus loin, il y a du sang par terre, il y a des cadavres et tout. J'ai pas envie de le faire mourir, mais donc. Non, t'inquiète, il est magique. Ah, bon, alors ça va, on s'en fout. T'inquiète, c'est magique. Ouais, c'est ça. C'est un chien en scénarium. Mais non, mais de toute façon, regarde, il a un collier magique autour du cou. Pourquoi vous croyez pas que c'est louche, ce truc là? Alors, on va dire qu'il y a mieux qu'un. Il y a une caverne dans le fond, en tout cas. Ouais, c'est encore à côté. Il y a une caverne. Attends, bien sûr, c'est les papiers d'identité, j'ai envie de savoir qui c'est. Et hop là! Ouais, il y avait de l'or. Est-ce que vous voulez qu'on parle avec les morts? Ah ouais, vas-y! Ah ouais! C'est intéressant. C'est vrai que à chaque fois qu'on peut faire ça. Ah, tu. Le cadavre ne répond pas. Ok. Super. Et l'autre? Il faut un lourd repos pour que je réinvoque les morts. Attends. Ah, tu peux pas. Moi, si, c'est... tu peux pas le. Moi, si, non, tu peux. Non, tu peux le relancer gratos, hein. Tu peux le relancer gratos normalement. Attendez, ouais. C'est un rituel. Donc non, mais celui-là, en fait, tu l'actives une fois et en fait, le sort, tu peux le boucler tant que tu l'actives une fois. Tant que tu l'actives une fois, tu dois avoir une case quelque part, relancer communication avec les morts. Tout à droite. Arda, quand tu regardes dans les buffs à droite. Relancer communication avec les morts. Voilà. Bon, moi, je rentre dans la. Ah, c'est un camp de gobelins! J'y vais. Cool, on y va. You're entering a different region, venture port. Mais non, mais c'est le fameux camp de gobelins en fait. Ouais, je me rappelle en fait, on retourne sur nos pas là. Ah ouais, non, retaper un long rest, non. Hein. Ah ouais, non, en plus j'ai bu l'élixir, c'est bon, ça m'a saoulé. Non, mais. Donc, au final. De géant, hein. Après, tu donc au final, on va par là où j'allais, c'était très bien. C'est-à-dire. Voilà, j'avais raison. Suivez le prof de géo, merde. Ah, il y a du sang un peu plus. J'ai trouvé un truc par là. Et c'est pas en plus. T'as raison, Arda, il y a du sang plus loin et tout. Bah oui, il y a du sang et il y a deux bergers, ce que je disais aussi tout à l'heure. Oui, bah, tu vas pas du tout dans le sens des morts. Non, parce que il y a quelqu'un qui parle là et qui vend des trucs. Ah oui, attends. Alors en plus, je trouve qu'elle vend des trucs de zinzin. De zinzin. Ah ouais, de moi, ce que j'ai vu, c'est qu'il y avait surtout un sac à dos derrière elle et que j'ai très envie de le looter. Moi, je vois Dame Esther et à une lettre près, ça fait le prénom de la guenaude. Alors, bah, oui. Moi, elle, je me suis occupé, je l'ai volé. Les objets coûtaient cher, donc je l'ai volé. Oh, tu veux pas sauvegarder, j'essaye. Non. Allez. Laissez-moi terminer mon dialogue. Attends, tu vois, si je l'endors, ça marche. Il a réussi. Mais je t'ai volé toi. Je t'ai volé toi, c'était plus simple. Tu m'as volé quoi? Putain, je vais avoir une flèche de glace. Wouah, il y a tellement de trucs. Mais oui, non, elle a mais c'est incroyable. Elle a des trucs de zinzin, hein. Elle a une armure. Non, de toute façon, l'armure, moi, avant un bon bout de temps, j'ai pas l'impression que... C'est si compliqué de le voler. Ah, mais elle a une armure de zinzin. Ça augmente la next 2. Je veux cette armure. Ah oui, non, ça c'est trop bien. Qui te file Calgrace? Oui, ça a l'air trop bien. Oui, là, mais faut qu'on la prenne, celle-là. Moi, je veux bien que t'achètes l'armure, s'il te plaît, quand tu peux, quand on sera acheté des trucs. Pour l'instant, elle raconte sa vie, elle veut choper un œuf de Githyanki. Oh, ça dit des œufs, les Githyanki, en plus? Apparemment. Ouais, ça se fait féconder par... You've been sipping from the same goblet as the society. Mais elle a du stuff, mais c'est marge. Alors déjà, elle vend une lettre. Ok, orange. Déjà ça, je pense qu'il y a moyen que ce soit intéressant. Ouais, je crois que la lettre, c'est pour déclencher la quête justement de l'œuf. Alors perso, bon, j'ai pas... You'll be well compensated, of course. Just bring me an egg. Moi, je veux bien là-dessus.
veux bien la tuer? Non, je veux bien la thune. Quelle thune? Ouais, parce que juste... Enfin... Ouh. Oula. Attends, attends, attends. Un peu de guidance? Ouais, paf, j'ai guidance. Oh! Ça va se jouer à pas beaucoup. Ah non, c'est bon. Eh oh, bah, non, elle a une amulette. Mais en vrai, elle a tellement de trucs qui sont trop bien. Oui, oui. Very well. Here's the money. Now, I expect a speedy delivery. Attends là-dessus. Attends, mais moi, elle a, honnêtement, sans déconner, hein. Elle 400 balles, c'est tout. Ah ouais, elle a vraiment des trucs de dingue. Mais après, je sais plus les objets spécifiquement, mais le truc. Elle a un bâton qui est complètement pété. Elle a des gants qui augmentent les dommages des coups à main nue. Et elle a une armure qui est genre surcheatée, quoi. Non, mais l'armure avec 4 Grace, moi en soi, ça me permet de cramer un truc pour te le filer. Donc oui, dans l'armure, elle est bien. Moi, je m'en sers à chaque fois. Qu'est-ce que je prends? Tissu gratuit. Moi, je veux bien l'armure qui s'appelle c'est le tissu là. Ouais, tissu voilà. Gratuit. Il y a un bâton. Son bâton là qui a l'air complètement pété. Ouais, pourquoi il... Et après il y a l'amulette, je pense que ça peut être intéressant pour certains gens, elle a l'air stylée. Lorsque vous êtes à l'agonie, votre état se stabilise automatiquement au début du coup. Non, c'est surtout la deuxième partie. Grâce au casque maximum le nombre de points de vie récupérés. Ah ouais. C'est pas si mal. Après je sais pas, faut que ça intéresse quelqu'un. Hein. Bah, et là, je les vois pas. Botte de vélocité élémentaire, acide froid, feu, foudre, EC de tour, ça m'en fout. Quand le porteur infuse des dégâts de froid, là où les cibles subissent également un gang de givre. Gant funeste. Putain, chaque fois que vous infusez des dégâts, moi j'ai pas de attaque. Gants. Bah, moi je pense que je vais te rendre les gants que j'ai et je vais prendre les gants d'attaque à main nulle, hein, à la limite. Frappe funeste. Ah ouais, c'est bah, il va monter à 16 là, tu vois. En gros, cette bonne femme, elle te vend tout ton stuff de monk, quoi, c'est tout. Bah, c'est un peu ce que je... Ouais, c'est qu'on soit clair, c'est complètement genre. Voilà. Parce que le reste, en fait, c'est tout. C'est. Si t'as 2000 balles, t'es merde. Je suis ravi de faire affaire avec toi. Je t'ai filé les gants, regarde. C'est pour ça que. Si t'as plus besoin de tes bottes. Qui ça, moi? Si jamais. Bah si. Ah, en vrai les tiens ils sont bien. Si tu les mets pas les tiens. Les tiennes ça te permet en fait de tu peux doubler ta vitesse, tu doubles quand même ta distance et c'est genre tu peux le faire tout le temps. C'est okay, en action. Okay. Action bonus, mais... tu doubles ta vitesse de déplacement. OK. Non mais après moi je veux bien échanger avec toi si tu veux Arda. Je veux bien te filer les bottes et je prends les tiennes. Si les tiennes te semblent. Non je m'en fous des miennes. Je veux bien prendre les tiennes et je te donne les miennes si tu préfères les miennes. Je sais même pas ce qu'elles font les tiennes. Bah en gros c'est si tu marches dans de la boue ou n'importe quoi, ça compte pas. Ça te ralentit. Non mais moi je bouge pas en combat, je trouve un endroit surélevé et je tape. Bon, bah, armure de tribun de la nuit, je la vire, on est bien d'accord, ça sert à rien. La quoi? L'armure intermédiaire, on s'en fout. Non mais en soi c'est vrai, parce que toi ta distance de déplacement, tu vois c'est 9 mètres, c'est juste que dans les combats c'est un peu long, c'est situationnel, mais c'est vrai qu'à Tenir tu lui files les bottes, il va courir dans tous les sens comme un gogol. Oh, t'as une distance de déplacement de 15 mètres en plus. Mec, tu veux dire quoi? En un tour tu peux faire 30 mètres, et si allez, jamais... récupère non, ta merde. T'as mal lu, c'est 18 mètres ma distance de déplacement. Bah moi je vois 15 mètres là-dessus. Ouais mais c'est parce que j'ai un truc qui me donne 3. Ah, je t'envoie tes gants. Sur ta fiche de perso, c'est 15 mètres. Hein. Et vu que ta distance de déplacement de base, je crois que c'est 12 mètres, c'est bon. Alors, tu ressembles à quoi maintenant? Oh, elle est stylée de ouf! On dirait qu'on t'a greffé une cage thoracique sur ta cage thoracique. Non, mais alors, ça, tu vois, genre pour crocheter, elle est trop bien. Parce que c'est quoi? Bah, tu gagnes 2 en dex. Donc là tu passes à 20 bah, l'avantage c'est que j'ai quand même, tu vois, j'ai enlevé les gants mais j'ai perdu que 1 d'armure, de classe d'armure. Parce que du coup j'ai gagné 2 de dex. Et que ça compte dans la classe d'armure. Après, plus tard dans le jeu, tu pourras choper des gants qui te filent 18 de dex en flat. Ça c'est cool. Non mais après j'ai 18 de dex en flat. Bah mais si après tu respé, ça veut dire que tu peux mettre genre 8 en dex et t'auras des gants qui te fileront 18 dans tous les cas. Mais après des gants pétés, les gants endgame, je te dis, les meilleurs gants du jeu, c'est non pour, mais c'est pas ceux-là les gants. Non, c'est... Cale-toi sur le bord de la falaise là où je suis et regarde un peu le...
Attends, mais t'as pas remarqué. C'est splendide, quoi. Ah ouais, non, mais c'est super beau. Hein. Moi, cette zone-là, c'est magnifique. Je la trouve très belle et encore. Non, mais c'est parce que t'as pas pris les bons gants, en fait. Mais comment ça, j'ai pas pris les bons gants? Ah, je peux lui parler en étant. Mais non, je. Ah putain, on nous a rendu. Attends, tiens, ils sont à toi là. Si, je les ai envoyés, attends, tiens. Hop. Et donc, faut qu'on se rende là-dedans pour voler un œuf? Apparemment, ouais. Mais ouais, qui vole un œuf, vole un bœuf? Bah, qui vole un œuf, vole un Gutianki. Et on va trouver une arme, une main, de fou malade. Alors, est-ce qu'on y descend à pied ou est-ce qu'on prend l'ascenseur? L'ascenseur, on peut le débloquer, mais c'est chaud. Bon, il faut 15 de force. Et vous voulez pas Ah, mais Katox, il s'est déjà déplacé, en fait. Bah oui, moi, j'en ai marre de commencer à parler de stuff, là. Attends. Et de quoi tu parles, les gants? Et tu me les as filés, les gants? Bah oui, je te les ai filés, les gants. Mais ils sont où? Dans ton cul. Je crois qu'on parle pas de la même chose. Moi je les vois pas les gants. Enfin... Bon bah prends tes gants alors, on va les acheter, je sais pas où ils sont. Ah d'accord, ouais, c'était les gants de feu que tu voulais toi. Yes! Attends, je regarde juste les autres objets. Après? Ouais. Bah tu peux les... Si t'en es à lui causer, tu peux les... Non, j'ai pas beaucoup de charisme, je suis en négatif en charisme, donc ça va coûter une blinde pour pas grand chose, autant que ce soit toi qui... Oh, y'a un coffre là-bas. Attends, j'ai y'a un coffre. J'ai 9 en charisme. Hein. Alors, maximum le nombre de points de vie. Hein, quoi? Un. J'ai 9 en charisme. Oui, bah... Non, mais faut que 14 revienne. Non, mais c'est pas grave, on a 10 milliards d'argent. Faut économiser. Non, mais on a 15 000 thunes, c'est bon. Vas-y, je te laisse les acheter, moi je ne veux pas prendre cette responsabilité. Moi je récupère les plantes. Hein. Bah, c'est pour Arda. Ouais, c'est pour ça. Tu... C'est bien comme ça, je peux lui vendre tous les trucs des Kitianki de tout à l'heure. Attends. Vous voulez que j'essaie de débloquer l'ascenseur? Ben, c'est déjà fait. Il est pas bloqué, hein. Oh! Attends, c'est un test de force normalement et c'est beau. Bah, 15 en force, ça va. Attends, t'es déplante là-bas. Je te rappelle que j'ai 19 encore, je l'ai déjà fait. Oui, bah, Ikatox a déjà exploré toute la zone. J'étais en train de faire. Ils sont où mes gants? Moi, j'étais déjà dans la passerelle, tout débloqué, prêt à partir. Mais c'est pas l'ascenseur de tout à l'heure? C'est un autre truc. C'est un téléphérique. Ouais. Jolie vue, hein, quand même. Ouais. Moi, j'aimerais vivre là. Let's go. C'est pas le bon dieu, mais... Oh, le système de poulies est un peu bizarre, quand même. Ah, mais ouais. Oh, je viens de voir les dommages que je fais. C'est absurde. Ouais, c'est pas fini, hein. C'est absurde. Genre, une attaque à la main, ça fait 8-18. Attends, il y a Gratouille qui a senti quelque chose. Tu fais quasiment autant de dégâts que moi avec mon arme à deux mains. Non mais attends, tu vas où là? Mais je suis le chien. Il y a 10 milliards de trucs là. Mais je suis le chien, il a senti un truc. Non mais attends, mais là il y a genre 10 milliards de plantes, il y a 10 milliards de je sais pas quoi. Bah, ramasse-les. Ah bah je suis en train, je crois que c'est peut-être un sanctuaire d'un dieu, mais bon, c'est pas grave. Attends, il faut creuser, elle où m'appelle? Il y a une potion de soin. Je cherche. Ah! Ah bah voilà! Oh! Une lyre! Super! Ah, y'a un pare-chaud de. Ah, ça peut être pas mal! Tempête de grêle! Tiens, je l'ai laissé dans le coffre, Arda! Oh, je l'ai mis dans son inventaire! Ah voilà! Merci! Attends, mais y'a des trucs. Niveau trop faible! Ça me stresse à chaque fois, vous finissez pas les zones! Ah, mais je... c'est pas qu'on finit les zones, c'est que je suis le chien! Ah! J'ai rien dit alors! Ouais, on remonte. Ah, viens, Katox, tu vas avoir une interaction, y'a que toi qui peux le faire. Où c'est? T'es où? Bah, viens. Monte. Y'a un piaf!
Ouais, 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 c'est pour ça. Nous, on Zeris de Piaf. Il va me dire dégager un truc, je vous fiente dessus. Oh, oh. Ah. Qu'est-ce que t'as fait? Oh, rien. J'admire le paysage. Il y a une pomme par terre. Si je meurs. Ah ouais. Waouh. Steel. Eagles are bigger. They just. Qu'est-ce que c'est qui roule là? Nest, prey. Tu vois le truc qui roule ou pas? Ça va rouler jusque à si jusque Arda ou? Non. Oui. Oh sure, hey Nest. But it's not my nest. That's up on the roof with the eagles. Eagles are pricks. Les aigles sont des fumiers. You kill an eagle. But if you think you can, then please, please kill the eagles. They're the worst. Thank you. I'll keep an eye on the roof. Rude bastards, those eagles. Deserve a little comeuppance. Faut tuer des... Là, on devrait tuer des aigles. Moi, je trouve l'interaction avec un piaf qui est complètement zinzin, qui veut qu'on bute des aigles, ça m'a fait bien marrer. Mais j'ai avantage partout. Bah, tous les trucs de Dex. Oh, c'est débile. C'est débile. Oui, pour désarmer les pièges, pour ouvrir les coffres, t'auras avantage maintenant à chaque fois. Ils sont où ces aigles? Ah, je fais des 20. Ah non, mais en plus, c'est vrai que du coup, j'ai 2 textes en plus, j'ai encore un bonus de plus. C'est absurde. Genre, je fais des 30 pour ouvrir des coffres. Ouais, mais c'est pour ça que je te file guidance. Oui, tu peux atteindre. Non, là, par contre, je crois qu'il n'y a plus rien d'intéressant. Bah, une clé qui est dans le nid. Mais... On est effectivement revenu là où on était. Je pense pas pouvoir la prendre sans. Deux. La clé qui est dans son nid. Bah, c'est bon, maintenant on a le ninja du coup. Mais non, il suffit d'aller là-haut pour. Ils sont où les aigles? Ah non, la clé, tu peux la prendre, hein. Regarde, elle est pas en rouge. Moi j'ai pris la clé. Bon bah voilà. Je sais pas quoi le servait, mais c'est moi qui l'ai maintenant. Moi je suis la nuit maintenant, hein. Clairement là, je t'avoue. Spin the night. Ouais, moi ouais, j'avais gardé la tenue pour justement tout ce qui était crochetage et autres. Ah ouais, il y a un hôtel là. Quoi? Attends, je viens de faire un survival fail là. Et attends, il y a le chien qui est en train de faire un truc. Bah, je sais pas, là il y a un truc. Bah, et le coffre? Mais je crois qu'il y a autre chose. Il y en aurait deux? Bah, je sais pas, je viens de. Le coffre, sachant qu'on l'a déjà trouvé. Vous avez déjà récupéré tous les trucs sur l'hôtel? Ouais. Ok. Bah, vous étiez parti, j'étais là. Non, t'as raison. Ah, y a une planque. Ah, on est à un monastère. Hmm. Mais c'est trop beau, hein. Ouais, franchement. Ah, mais... Désolé, je radote, hein, mais. Mais c'est ce que je dis, je crois qu'en étant passé par l'Underdark, on n'aurait pas vu cette zone-là, donc je trouve ça dommage parce qu'elle est vraiment sympa. Ah, mais y a les chutes du Niagara et tout là-bas, quoi. Hmm, c'est magnifique. Y'a un bouton pour enlever l'interface? Oui. Ouais, il doit y avoir une commande. Ouais. F11, peut-être un truc dans le genre. Ah non, ouais, si, peut-être F11. Bon, ça ne fait rien. Bah, je sais que dans WoW c'est Alt-W, mais bon, là on s'en fout, c'est pas du tout ça quoi. Bah, tu regardes, hein, dans les paramètres, normalement tu peux prendre des screenshots. Personne n'a vu les lianes sur lesquelles on peut grimper? Si, mais je voudrais vous laisser découvrir. De quoi on parle? Bah, on n'y est pas encore. Oh, c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il y a là derrière? C'est quoi ces trucs? Des Kremishka? Alors, c'est F10 pour cacher l'interface, excuse-moi, je m'étais trompé. Oh. 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 Ah, mais il y a moyen de faire des fonds d'écran de bâtard. Mais il y a surtout moyen de faire un bon petit combat là, si les gens pouvaient se bouger un peu. Mais en fait, ah ouais, t'es parti. Ça fait par où t'es passé? Tu vois, ah, là où il gratouille. Derrière gratouille. C'est ouais, ça. Il y a le chien devant, donc on peut pas. Attends, je bouge le chien.
Ah si, c'est bon. J'ai trouvé l'arnaque, je vais sauter en tir. Oui, je me demandais. Hein. Oh, je vois du rouge sur la carte. Tu veux que je casse ce truc? Non, comme ça. Attends, je peux peut-être les flinguer à distance, non? Ah ouais, vas-y. J'en ai un. Ah ouais. Non, s'il te plaît, fais pas ça. De quoi? Je peux pas le balancer un shatter là? Bah tu... Ah si, vas-y. J'ai cru que c'était Thunderwave, c'est pour ça que j'étais à non, fais pas ça. Ah non, non. Oh, même oh l'intérieur quoi, t'as vu? Quand tu mets à l'intérieur, non, tu mets la, avec la, 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 la lumière à travers le vitrail, c'est... Wow. Ah, j'ai pas si bestiole. Quoi? Il a fait ouin. Ouais, ouais. Qu'est-ce qu'il a fait ouin? Le chat. Hein? Mais c'est quoi ce jeu de taré encore? Par contre, je vois pas les chats, ils sont... Ah, là. Des queues de chats, là. Est-ce que j'y vais au cac? Parchemin de couronne de démence. C'est vrai qu'il faudrait pouvoir faire de l'AOE là, mais j'en ai plus moi. Ah, moi je peux encore leur mettre de l'AOE, mais c'est. Ouais, claqué. Bah attends, j'ai peut-être un petit parchemin de boule de feu, je crois. J'ai une aspersion d'acide. Oh non, attendez, je sais ce que je vais faire. Ils sont allergiques à la magie. Je peux en buter 4. Je bute les 4 devant si jamais. Vas-y, essaye. Ah, mais c'est pour ça qu'il a plu tout à l'heure. Qu'il a pleuré. Ah, ils sont résistants à l'électricité. What? Non, non. Bah pourquoi il a pas pris de dégâts celui-là? Alors, je t'explique. Ils sont allergiques à la magie. Si un sort ou un sort mineur est lancé à proximité du Grimishka, celui-ci peut réagir à la magie, ce qui déclenche un effet aléatoire. Et donc là, c'est quoi la... Et là, il est instable. C'est à leur prochain tour, il va se passer des dingueries. Bon, merde. Déjà un de moins. Bon, alors, si tu... Oui, bon... Examiné, instable. Au début de son prochain tour, un effet se déclenche aléatoirement. Mais j'avais pas vu. Ils sont... C'est une colonie entière. Mais y sur la carte, 5. Là. Non, non, regarde la carte. Non, regarde en dessous. Oui, regarde bon, sur la carte. Ils sont plus nombreux. Ah ouais. Ils sont plus de 5 à 7 étages. Si c'est plein d'effets aléatoires, on met plein d'AOE et on voit ce qui se passe. Parce que c'est trop drôle, les effets aléatoires. Ah, mais j'ai électrifié l'ombre. Peut-être que je vais me décaler parce que j'ai pas envie d'être forcément au cac. Hop là. Tac, le instable, ça ne me fait pas confiance. Hein. Je suis désolé de les avoir surchargés, mais je pensais que j'allais les one-shot. Et passe le tour, on va voir ce que ça donne. Ah bah oui, d'accord. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a explosé. Enfin, il a... Ah non, il a... Bah c'est bon, c'est à nous. On examine et il encore est. Bah il arrive de plus là. Bah non, c'est le nouveau. Je peux les buter les deux là. Non, non, non. Ah, bah ok. Putain, est-ce que je vais pouvoir. Bon, par contre, il y en a qui va péter à la gueule, je pense. Vous pouvez lui tuer lui. Non, d'accord. Désolé, j'ai tiré sur le mauvais. Too much, non? Oui, too much, parce que je pensais pas qu'il restait encore des attaques à Katox, alors j'ai lancé un sort sur celui-là et c'est totalement useless. Bon, c'est pareil, il est effrayé. Putain, je suis lui. Ya! Yeah. Je suis ravi de mettre joueur à ce constat. Ah, une pierre de sang. Tiens, il y a un tonneau de 20 de feu là, juste là. Il y en a encore un autre juste derrière. Bon, les tonneaux, on a pas mal. Il y a une porte en fer. Il y a des textes derrière. Lockpick. Attends, moi aussi. J'ai une méthodologie pour ouvrir les portes. Voilà, c'est bon, c'est ouvert.
Non mais t'as fini. Hein. Tu vas piquer des trucs. J'ai essayé. Oh, il y a un coffre opulent. Pour être franc, je voulais te voler ta flûte. Alors, Arda, si t'as pas déjà ce... J'ai trouvé un pare-chaud de Blink. De Blink? Ouais. Le groupe de musique? Non, ouais, c'est ça. C'est un oh merde. Arda, si jamais, moi, là, il y a des textes à lire. Ouais, t'as un bouquin aussi dans la caisse côté de... Il y en a deux, même. Hein, des parchemin de clignotement. Uniquement disponible au combat, je peux la prendre pour 150 sorts. Je prends... C'est bien ça, en vrai. Ouais. On peut monter, hein. Ouais, je peux monter. Donc, les textes. Alors, j'arrive sur le toit si jamais. Ouais, non, bah, il y avait rien d'intéressant pour moi sur ces textes. Bah, écoute, j'en sais rien, c'est des bouquins. Mais t'as bien fait de me prévenir. Là, il y a une porte qu'on peut ouvrir. Là-bas, au fond, il reste des bouquins, il y a des tonneaux. Moi je suis allé dans la petite pièce que j'ai ouverte et on peut continuer à sautiller pour aller au plafond. Et il y a des trucs intéressants au plafond? Ouais, ça. Après, en fait, on avance plus vers le truc des Get Yankee, donc comme d'habitude, on peut redescendre et se faire là. Bah, c'est ça, là, moi déjà, j'ai une porte Là où je suis, à l'étage où on est, il y a une porte. Ouais, on va peut-être continuer par. Juste défoncer les... Et là, moi, je vois, il y a un PNJ qui est en train de dire qu'il souffre, alors je pense qu'il y a moyen d'aller aider quelqu'un. Hein? Ouais. Bah, je viens de voir un texte, il y a marqué No, please, it hurts. On fait quoi, là? Bah, écoutez, moi, j'ouvre une porte. Ouais. Ok. Ah, bah, il y avait rien. Salut. T'as fait Phaser Fall, mec? Non. Non, Kato, bah, moi, si. Ouais, parce que j'ai un rituel Phaser Fall. Ouais, alors oui, bah, ouais. Je vais essayer de redescendre sans prendre de dégâts. Mais c'est gigantesque ce truc c'est, là. Ouais, c'est immense là. Attends, t'as même un truc dans le fond, tu peux remonter. Ouais, si t'as zappé la porte, tu peux même arriver. Sinon, normalement, t'as des lianes au bout du toit aussi. Ah, putain, mais c'est bon, un. Déjà, à mapper. On va péter ça. À mapper ce truc doit être horrible. T'as des points d'accès de partout. Oula. C'était quoi ce qui s'est passé là? Qui a été là où il fallait pas? Alors il y a eu un lance à la gueule en bas. Comment? Il y a des PNJ qui se foutent sur... Bon bah qui se foutaient sur la gueule. Ah bah c'est des mecs de l'absolu qui se sont fait fumer. Oh bah pas très grave. Ah mais ça c'est l'autre moyen pour remonter ici. Ok donc pas utile. Ça c'est trop endroit. On est allé en dessous. Non mais attends, allons en dessous, butons les chats qui est en dessous déjà. Ah mais ça. Non. Ouais c'est vrai. Oui si. Enfin je sais pas. C'est... Si les descendants. Clinons les mobs, on visitera après. Il y a trop de chats morts là qui sont encore en train de bloquer le passage. Je peux pas descendre à cause de lui. Alors c'est pas des chats là. Non mais on est pas par là. Là c'est des kobolds et tout là. Suis le chien. Il y a 7 kobolds. Non par ici. Hop là. Pourquoi le chien il est en dessous là? Il est pas en dessous le chien? Moi je le vois. Allez tu sautes là sur la plateforme. Là. Mais une mire. Ah non mais c'est ça. Il y a bien un coffre là où t'aimes une mire. Ouais, attends. Attendez, je vais. Bah il a fait un test de survie là où il est là. Ah vas-y, je vais creuser. Ouais, il y a un coffre. Tu creuses dans des dalles de piscine, gars. Ouais, qu'est-ce que tu crois ça? Ça, c'est le savoir-faire. Hein. Un anneau sorti dans Ruby, bon, des thunes. Encore ? Il y a encore un truc à creuser, hein, là où il y a... Il y a gratuit. C'est peut-être la même chose, hein. Non, c'est... En fait, c'est toi, t'as trouvé un coffre, donc il a reniflé. D'accord. C'est plus ça. Parfois, c'est un peu... Le geek. Bah écoute... Non, Arda, ils sont 10 milliards. Enfin, le mage, peut-être pas devant. Il y a un taux de 20 de feu qu'on peut taper. Homme, c'est des kobolds. J'ai des bombes de feu. Non, mais les gars, c'est des kobolds. Ils ont l'air sous. 9 et 12 PV, les. Alors, je les examine juste pour voir. Ils sont gorgés de 20 de feu. A bu trop de 20 de feu, ce qui se traduit par un désavantage sur un test basé sur le charisme ou la dextérité. Alors, moi je vous dis, je fais péter. Si.
L'entité saoule est tuée par les flammes, il se produit une explosion de vin de feu. Alors, je jette un truc de feu ici. Moi je vais attaquer en haut là. Il y a du vin de feu, il y a de l'alcool de partout. Tu fais oui, ça, la pièce explose. Non mais il n'y a pas de... T'inquiète, ça va bien se passer. Tout est couvert d'alcool. Alors, t'as raison. 3, non, 2... attends. Y a pas de... Ici là, par terre c'est de l'alcool. Oui. Ici là, par terre c'est de l'alcool. Oui, et globalement il y en a partout. Donc oui. Juste ne restez pas dans la pièce quoi. C'est Katox, il faut peut-être mieux que tu t'en ailles. Parce que je sais pas à quel point ça va exploser s'il lance une potion de feu là. Ah, je voulais tous les buter simplement, mais monsieur veut les faire brûler vivant. Bah oui, c'est des gnolls. C'est bon ? C'est allez, pas des gnolls, c'est des kobolds. Deux... Ouais, 3, 2, 1, partez. Tout ça pour je suis ça. Bien déçu de ce qui vient de se passer. Et moi donc. Pour moi, vous auriez pas brûlé si vous étiez resté où vous étiez. Ouais. Je peux taper celui devant moi là ? J'ai envie de le faire cramer. Vas-y, faut le cramer. Voilà. Bon bah voilà, j'ai pas pu le faire cramer. Bah il a explosé. L'ennemi est surpris. Attends, 3, 2, 1, je saute là. Et... Ouais. Paf. Après il reste. Ah, mais non, mais si tu vas au cac du tonneau. Il y a un tonneau là pour toi, Arda. Oui, mais le problème c'est que. Vais-je avoir la portée? Alors, si tu... Katox se met sur le chemin. Mais oui, bien sûr que tu vas avoir la portée, c'est sûr. Ah, non, bon, c'est bon, là je te jette pas. Ah. Oh oh. Alors, ça c'est une déception de sans précédent, hein. Ah, ça, je ne te le fais pas dire. Hein. Je suis, mais d'une déception inimaginable quant au résultat de ce spell de feu là. Ah, ouais, moi aussi, là, je me dis, bah, ça va exploser, bah, que dalle. Bon, pourquoi ça. Voilà, ça. Et tout qui brûle. Ouais, j'ai l'impression d'être dans la guerre en Irak, il y a des flèches de feu qui volent partout là. Ça, c'est Bagdad, quoi. Ouais, c'est. Fiou, fiou. Alors, le chien, il faut que tu passes son tour. Oh, fiché. Ah, bah ouais, mais t'as voulu le garder alors. Ouais, ouf, ouf. Hein. Oh, ouais, caméra. Non, c'est un caillou. Qui a moi ça. Ah, c'est un caillou. C'est un caillou. Oh, venez les cocos. J'ai tellement envie de faire un Thunder Wave. Ça me fait tellement. Ah non, je l'ai pas, j'ai déjà utilisé. Moi je l'ai. Bon, après, c'est moment, j'ai un chat. 3, 2, 1, mise en orbite, c'est maintenant. Par contre, celui de devant moi, il a pas voulu. J'aurais dû conserver mon. Ah non, j'ai plus le chain activity, c'est pour ça. Oh. J'ai envie de tester ce truc. Ah bah ça y est, ça y est. Par contre, les mouvements de caméra sont pas foufous là dans cette pièce. Hein. Ouais, ouais, ça m'embête sur le plafond à chaque fois. Ouais, pareil. Bon, ça va en fait. Après, j'ai la caméra. Les décors sont beaux. Ah, Temir, tu vois, il marche dans le feu, il s'en fout. Il est en train de clean la map pendant que nous, là, on est en train de regarder. Il reste pas un mob, il est où si, si, juste devant Menmir. Devant Menmir. Ah. Il est là. Je sais pas. Voilà, c'est bon, il est mort. Bah, moi je tiens, oui, quand tu veux, hein. Lavez pas. Par contre, allez. Comment je le fais pour passer dans cette zone? Ah, si, j'ai une idée. De quoi? Ça s'arrête de cramer au bout d'un moment. Ouais, ça... effectivement, ça s'arrête de cramer. Alors, ça c'est. Ouais. Ça c'est fouillé aussi. Vous faites peur avec vos incantations. Mais oh, non. Ah, je sais pas si. Ouais, il y a encore des tonnes. Ah, ouais. Pourquoi je peux pas la ramasser celui-là de tonneau? Et alors, il y a un tonneau là, mais je peux pas la ramasser. Ah, si. Bah, regardez, c'est surtout qu'il y a des tonneaux qui parlent.
Quoi ? Ah oui, il parle celui-là ! Ah bah oui, effectivement. Il y a des kobolds dedans en fait. Ils sont en train de se torcher la gueule. À 75 d'XP par kobold, franchement, c'est pas déconnant. Attends, mais il est où le dernier là ? Il est là ! En face de moi. Ça va être encore un autre parce que je pense que j'ai encore vu un tonneau parler. Ah bah j'ai fait. Attendez, je peux encore tirer. C'est absurde à quel point je me suis vraiment, mais. Cet élixir est incroyable. Vraiment, il est incroyable. Ouais, bah après, c'est vrai que vu que tu mets 40 tatanes et que tu. Ouais, dès que tu tues les gens, en gros, ça te refile une action, c'est ça ? Alors non, c'est pas à chaque fois que je tue quelqu'un, c'est une fois par tour. Si je tue quelqu'un, j'ai une action. Ouais. Mais du coup, une action, c'est deux attaques. Bon, on est c'est quasiment vraiment... niveau 7 avec toutes ces conneries. Allez, encore. Ouais, encore 9 kobolds et on passe le level. On compte en kobold, tu sais. Bah, hey, franchement, 75. Ouh, y'a plein de casiers à bouter de vin. Bah, ça va faire plein de manger, ça. Je viens de découvrir un truc. Okay. T'as découvert quoi ? Bah, je savais pas qu'on pouvait faire s'effondrer la map. En fait. Quoi ? Bah, en gros, tu sais, les estrades sur lesquelles on s'est battu. Oui, mm-hmm. Tu pouvais faire tomber. Bah, si tu tires sur les piliers. Ah. Bah, ça s'effondre en fait. Oups. Ah, mais le jeu est très bien pensé, hein, ça. Genre. Ah, on peut passer par la fenêtre. J'ai l'impression que là, dans le tonneau de vin de feu qui est là, je peux pas le prendre, je sais pas pourquoi. Ah, bah, y'a un mob. Peut-être qu'il est trop lourd, hein. Non, y'avait pas de mob. Bon, après... moi je passe. Ah, y'a un mort là! Y'a un mort qui brille, je pense qu'on peut lui parler. Ouais, il brille, c'est que tu peux lui parler. Il est couleur, on peut lui parler. Du coup, ah, on n'a pas zappé le toit par hasard? Si, on va y retourner après. Ah, après, là où on est, on a encore des trucs à voir. Hein. Si bah, là, en gros, si on va sur le patio dehors, là, on retourne là où on était à l'entrée du temple. Donc, je pense qu'avant d'ouvrir la porte qui est crochetable, là, ça peut être intéressant d'aller sur le toit. Là. Regardez, il y a un passage. Là, il y a un passage. Ah, Coralie, c'est... Attends, on va looter parce que... Non mais attends, on lui parle là, avant de looter. Ouais, il y a... Sympa son collier. Hunting for weapon. Nothing was telling the truth. Didn't know anything. Allez, bah, fallait pas. Little house under a hill. Somewhere. Don't remember. The spell's power wanes. You can ask no more questions. Sympa ta robe. Sympa ta robe. Merci. Ah bah attends, mais y'a un truc là. Mais y'a des trucs partout. Ouais, c'est pour ça si on passe par ici. Si on passe par ici, on a des... Il y a un accès à une autre zone. Ah, mais c'était par là que moi j'étais venu à la base. Il y a un coffre élégant tout en bas. Ouais, c'est pour ça. Il y a de la thune à se faire. Est-ce qu'il faut qu'on te suive ou... Je crois qu'il faut que vous veniez parce qu'il y a pas mal de trucs à voir. Après, c'est comme vous voulez, hein, là. Salut! L'autre qui jump! Bah, je lui ai mis Feather Fall. Oui, c'est pour ça, j'en ai donc profité.
Mais on va encore plus loin que là où on était supposé aller. Bah ouais, je sais pas où on va, mais... Moi non plus. On était pas censé retourner sur le toit. Bah là, on clean cette zone pour aller après sur le toit, enfin... Peut-être qu'on peut faire, comment dire, étage par étage. Comme ça, au moins, on fait pas des alertes. Ouais, mais on risque d'oublier. Hein? On risque d'oublier. Eh non, t'inquiète. Là. T'inquiète, je suis là, je vais pas oublier. Il y a une tombe. Ouais, vas-y. Ceux qui parlent avec les morts, là, venez voir. Non, j'arrive. Moi, je parle pas avec les morts. Là, d'abord, je déterre le mort. Il y a marqué quoi sur la tombe? Askel Stockhold, Dawnmaster. Maître de l'aube, Stockfort. Maître de son art. La masse rouillée, faut la donner à Mulmire, c'est ça qu'il faut faire. Non, je crois qu'il faut la garder. Ça, faut la donner à Ardarin. Voilà, je t'ai filé un papier, Ardarin. Tu filé un papier? Non, c'est bon, moi, j'ai arrêté de me faire engueuler. je donne les papiers, je les lis plus. Voilà. La dernière fois, quand il nous a accusé dessus, moi, j'étais pas prêt. J'ai arrêté d'essayer de lire. Exactement, mon perso. Il a de l'intelligence grâce à Satyar, mais c'est clairement tout. Hein. Il a compris une chose, c'est que globalement, s'il y a quelqu'un qui lui demande de lire un papier, la réponse sera non. Est-ce qu'on va à l'étage ou on remonte? On descend ou on monte? On monte, parfait. Bah, sachant qu'on a commencé par le haut, je suis chaud pour continuer. Enfin, on a commencé par cet étage-là. Perception de fail, alors attention. Avance un petit chouïa, Arda, mais il y a perception de fait. Ah, si, là. Mur en ruine. Il y a un bouquin là. Il y a un bouquin là. Attends, il y a mur en ruine et derrière il y a un truc qui s'appelle gardien de la foi. Vas-y, Menmir, c'est pour toi. Ouais, j'arrive. Et il y a une short sword machine par terre pour toi, Menmir aussi. Il y a une rusty short sword par terre. Alors. C'est ouvert. Ah, vas-y, je t'en prie, passe. Oula! Alors. Ah merde! Non! Qu'est-ce qu'il y a? Hop là! Bon, rien, j'ai récupéré l'arme cérémonielle. Il y avait une arme cérémonielle? Oh bon, on peut, hein, mais c'est juste que si tu t'approches, il va te mettre une tatane dans la bouche. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Après, il y a quand même marqué temporairement hostile, il n'y a pas marqué qu'il est hostile à vie. Hein. Ouais, non, c'est pas grave, ça c'est du moment que tu rentres pas dans la zone, en fait, tu peux lui taper dessus, on peut le bully. Voilà, c'est bon. Ah ouais, ouais, il va pas taper. Tant que tu rentres pas dans la petite zone là qui est délimitée autour, il tape pas, donc tu peux lui taper à distance, il te fera rien. Oui, alors. Moi je suis bien là où je suis, là, je vais rester là. Ça me plaît. Et du coup. Vous voulez pas taper sur le mec? Bah c'est fait. J'ai déjà tapé en fait. Alors attends. Pas de résistance particulière. Par contre c'est bizarre, t'es pas dans le cercle et t'as quand même foutu une baffe. Ah, notre chanson est vraiment si douce, Katox. C'est pourquoi il me tape dessus, je suis pas dedans là. Oh. Bon, il y a combien de PV le gars là? Allez, c'est bon. Cette histoire, on a gagné combien d'XP? Je pro. Dernière note d'un moine. Bah tiens, parfait. Gardien de la foi disparaît. Bah, regardez, on était à 632. Ah bah non, pas d'XP, super, let's go. Non, c'est une invocation en même temps. Hein. Alors, à qui se trouvera ce journal? Novice, machin, truc, qui relate en détail l'attaque du monastère d'Aubrosé. Les Gitianki ont donné l'assaut à l'aube. Nous sommes une poignée à avoir réussi à nous barricader dans cette salle avant d'invoquer un gardien de la foi pour nous protéger. Ou faute de mieux, nous donner le temps de réfléchir à une échappatoire. Peine perdue jusqu'à présent, mais nous gardons la foi. La tendre veillera sur nous en 16 heures sombres. Les Gitianki semblent s'être repliés. Loué le seigneur de l'aube, ça fait un bon moment qu'ils ne martèlent plus notre porte. Les unions ont renoncé, le temps nous le dira. C'est trop beau pour être vrai, un Gitianki a réussi à entrer par la fenêtre. Par chance, le gardien de la foi s'est occupé de lui. Sûr que d'autres viendront.
La vitre cassée m'inspire un plan d'évasion. Toujours coincé, je viens d'entendre un rugissement qui ressemble dangereusement à celui d'un dragon. Si tel est le cas, le reste du journal a brûlé. J'ai des lianes là. On finit cet étage et on monte après. Ouais. Attends, y'a quoi là? Y'a un gars sur la carte, c'est quoi? Ancient Giant Eagle. Les aigles, il faut les buter. Ah bah tiens, ouais. Ça doit être. Bah prenons ces lianes, ça doit être sur. On doit aller voir les aigles, je pense, si on prend la liane. Laisse-moi les causer, peut-être que j'arriverai à les persuader de se barrer. Ah bah écoute, je te laisse passer en premier sur. À grand coup de freedom. Please. Moi je vais prendre une autre montée. Ah oui, oui, quand il disait que c'était des aigles, il a pas menti le gars. Ouais, c'est des aigles. C'est vrai. Ouais, je pense qu'ils sont capables. Ils sont capables d'amener le. Allez, l'anneau au Mordor là. Clairement. Je te laisse t'approcher. Attendez, je suis encore en bas. Hop. Il est en discussion là. Là, on t'attend, de toute façon. Ah oui, directement. Xavier vient vite dernière. Oh, regardez! Allez! Maman, je passe à la télé! Elle passe à la télé! C'est ce gros danger qui m'intéresse. Celui ne t'appartient pas, tu l'as volé au petit oiseau qui vivait ici avant toi. Well. Après, on est là, voilà. On est là. Sauver la vie. De toute façon, faut prendre l'arme dans le vide. Oh. Ah. Well. Well. Tu t'inspires, hein. Tu t'inspires. Oui. C'est fou, en carré. Putain, j'en ai qu'une. Pourquoi j'en ai qu'une? J'en avais plein avant. Non, mais on en a gâché plein il y a quelques semaines. Je vois bon, pas. Je vais mettre en avantage. Je peux pas te. Voilà, pas c'est mieux. Parce que je vois pas le dialogue. T'inquiète, il a fait 21. Là. Ouais. Believe me. Fine. Xavier, don't talk to it. It might have germs. Je sais pas où ça a traîné, c'est ça qu'elle a dit. Ouais. C'est quoi ce gros truc en fait? Ah, non, c'est le cérémonial Warhammer. Ah mais non mais. C'était pas ça? Bah si, mais fallait pas le. C'était rouge, ça voulait dire que ça allait le voler. Mais non, mais moi je l'ai même pas ramassé le truc. Ah, t'es rentré dans l'ordi. Parce que tu t'es approché des oiseaux dans le nid. Oui, il fallait pas aller dans le nid. Bah, ils viennent pas te dire qu'on pouvait le prendre. Bon, bah, tu es le petit vu que c'est Xavier. C'est pas littéralement ce qu'ils viennent te dire qu'on pouvait le prendre, elle a dit ok. Non, le gros truc, c'est genre le gros truc qui est juste derrière. Mais c'était pas l'arme qu'on voulait, non? Ouais, l'arme on la voulait, mais on aurait pu l'avoir sans. Bon, bah, écoutez, c'est trop tard. Moi, je connais un piaf qui m'a passé une sale journée. Ouais, de toute façon, ça, franchement, ça fait au moins deux repas. Oh oui, ça fait de l'XP. Facile. Ah bah pareil. Bah tu devrais buter le petit, vu que ça s'appelle Xavier, ce serait que justice. T'inquiète, c'est prévu. Oh là là. C'est prévu qu'il meurt. Y'a aucun problème. J'ai pas claqué une popo quand même. Ah non, ça va. J'ai pas claqué de popo, juste mes deux actions. Et avec le... Et une action Joy of Blows, ouais. Allez, bah super. Bah je vous regarde les mecs, hein. Ouais, pareil, hein. J'adore ne servir à rien. Bon bah, je vais prendre le marteau cérémonial, hop. Ah, il est cristaux. Grâce à nous, vous salissez pas les mains, les gars. Ouais, c'est bien. Mais hein, moi, je ne me salis jamais les mains, j'ai fait des attaques à distance. Je ne me salis jamais les mains, chien mal, mais... Seul démarre. J'aurais pu sortir de la pyramide. Démarre. Attends, ce tombeau. Eh, hey, on a gagné 300 XP. Hein. Ah, comme quoi, t'as vu, c'était une bonne idée. Bientôt le prochain niveau. Mais de toute façon, même si on avait récupéré les trucs tranquillou, on les aurait comme quand même pour l'XP. Buter Xavier, ça rapporte. Grave. Ouais. Qu'est-ce qui se passe si on clique sur les petits cristaux? Bah écoute, je te laisse payer. Je sais pas, mais. Je sens que c'est bon, une bonne idée. Ça va rien faire, attends, laisse-moi cliquer dessus. Ah. Attends, je parle d'abord au piaf. Cliqué, parce ça, que il s'est rien passé. Hein. Il y en a un autre. Ce sera ça sert ultérieurement ce truc. On essaiera de le déclencher si vous voulez. Faudra essayer juste avant. Ah. Attends, mais... discute. Oui, non, non, pas. Ah, mais tu discutes avec le piaf. Hein? Quoi? Hein?
when I ah ouais, il y a tout un truc à aller chercher là-bas. I spotted something buried near that ferry dock. Might be worth a look. Moi je m'occupe d'aller ramasser les objets. Vas-y, vas-y, ramasse. Près de l'embarcadère du bac, un truc enterré, mais c'est pas le truc qu'on a repéré là tout à l'heure. Si, je crois. C'est vraiment rien, ce pire. Ah, mais ça, c'est l'endroit où j'avais pas réussi à monter tout à l'heure. Quoi, où ça là, Attends, oula. Et où? Oui, on est à l'opposé, hein, merde. Ouais, mais moi je clean à tout. Oh, yes, encore une poche. Je veux bien que tu me l'envoies si t'en as trop. J'ai un pantalon, il y a des poches. Je te l'envoie. Ça me stresse que vous regardiez pas ce qu'il y a dans les vases. Ah si, je l'ai fait. Je t'ai envoyé le truc, Arda. Merci. Ah, le bouquin, tu as pas ramassé le journal de maintenance. De quoi? Il y avait un bouquin en bas, et tu l'as pas récupéré. Ouais. D'accord. Ouais, d'accord. Donc là, on a fait le haut, là, on est d'accord. C'était ça qui était au-dessus. Ouh, ah, il y a un coffre. Attends, il y a un coffre qui est là. Comment est-ce qu'on pourrait rejoindre cet endroit? Des lianes, des machins. Ok. Non, j'explore un peu la map et. Non, je fais un peu de. En fait, derrière le mur là où t'es, il y a un coffre. Si tu regardes à travers le mur. Qui, moi? Donc, t'as dit. Là, là? Ouais. Derrière ce mur là? Là, tu passes avec ta caméra derrière, tu verras. Oh! Effectivement. Il y a des lianes là, non? Yes, il y a des lianes là. Faut aller là. Elle est là. Y'a un truc d'intérêt par là Là. Quoi? Ben par là d'où tu viens, y'a de l'intérêt. Ah ben y'a un coffre aussi. Ah ouais, aussi. Non, c'est bon, ouais. Là, ça, c'est... Tu l'as eu? C'est bon, je l'ai trouvé. J'y vais, Gatox. Il va où? Je suis parti. Chercher le coffre. Tu m'as dit y'a un coffre, j'y vais. Bah je sais. Attends, même pas si tu peux y arriver. Bah j'ai cliqué dessus et mon perso il va manifestement, donc c'est possible. Attends, moi, je vais essayer une autre technique sinon. Non, on peut pas casser le mur. J'ai essayé, ça marchait pas. Wouah, y'a une épée, elle a l'air si bien. Quoi? Où ça? Y'a une épée cérémonielle là, avec des cristaux qui brillent. T'arrives pas compte le coffre, comment on fait pour aller au coffre? Mais j'y vais là, j'y vais. Attends, laisse-moi essayer de voir, qu'est-ce qu'ils disent? Ça fait quoi si je prends l'épée longue de cérémonie? La sauvegarde avant. On n'a pas tout, je crois. Ah, en tout cas, j'ai trouvé une vieille clé. Alors, Ah ouais, mais on n'a pas tout. On n'a pas tout quoi? Je vous file les armes cérémonielles et je vous laisse... Attends, à qui je les file? Bah tiens, attends, mais moi j'ai des trucs sur moi. Tu veux dire les vieux trucs rouillés là? J'ai ça là, c'est important ça. Tiens, je t'ai envoyé un truc, mais. Ouais, alors. Hein? Dawn Master Versailles. Bon, vous voyez quoi? La masse rouillée. Un truc rouillé. Alors. Regarde, t'as un gros truc au sol, Katox. Quoi? Le vitrail il doit s'actionner uniquement quand on a mis toutes les armes sur les autels. Non, mais oui, mais justement. Enfin là, c'est un casse-tête et t'as. T'as un cassette à résoudre en fait et t'as un gros vitrail au milieu qui t'aide à le résoudre donc. Faut déjà arriver à mettre la tête. Y'a une épée à un côté, une clique sur le vitrail. Ah ouais, épée, masse. Rien. Les masses paf. Evensong before the Zenith Day, celebrated by Dawn Master Stockhold. Lui, il a une espèce d'amulette. Ok. La semence, c'est le marteau. Donc celui avec le vitrail pété, c'est de la hache. Et du coup, il manque quoi? Bah, il manque une amulette, non? Peut-être que je l'ai. Dawn Master Seed. Ah ouais? J'ai un collier sur moi et il semblait briller. T'as un collier sur toi et il semblait briller. Ouais. Alors laisse-moi juste le temps d'aller dans mon inventaire. Ah non, je l'envoyais Katox.
Attends, l'arme tu l'as posée là? Ah oui d'accord, elle a traversé chez moi, elle a traversé l'hôtel. Et tu m'as envoyé quoi? Bah je t'ai envoyé le Warhammer et la hache et c'est tout, et l'autre on l'a pas encore je crois. On l'a pas encore trouvé l'amulette? T'as été à l'étage du coup Xavier? Ouais, il y avait des PO et j'ai trouvé un parchemin de Revivify. Merde, c'était quoi? Oh, ah, je me rappelle pas du dernier truc. Je crois c'est une amulette. C'est une arme, une amulette, je sais plus, mais c'est un truc cérémoniel encore. Il est à main nue et il tient une amulette là. Ouais, bah si on trouve un truc appelé cérémoniel il faudra l'amener ici. D'accord, si on trouve les cérémoniales Ragnagna. Ouais, c'est ça. Well. Alors, hey, tu well. C'est bon, hein, les nodes. Well. Oh. Bon, ben on redeva devant la porte verrouillée. Bah la porte du dessous là. On a tout fait. Attends, attends. Ouais, j'avais oublié. Attends, Mimir. Attends, mais je check juste la map parce que je suis pas. Attends, mais non, on n'a pas pu monter. Il y avait un coffre hein, au-dessus de cette pièce là et on n'a pas pu y aller. J'y suis allé. Ah, et alors t'as trouvé quoi? C'est ce qu'il a dit tout à l'heure. Il y avait tout de suite 3 pièces d'or et puis voilà, je sais plus. Pour monter dans le truc, il y avait marqué quoi? Moi, je suis descendu. Hein. Il y avait 161 pièces d'or. Putain, mais je voudrais sauter. Ouais, dépêche-toi parce que. Ouais, mais j'y arrivais pas. Ah, attendez, la porte. Lockpicking impossible. Ah, c'est l'artefact qui te parle. They want the artifact within the artifact of feeling stirs. Your curiosity is getting the better of you. Your curiosity is getting the better of you. They're hunting you. They want the artifact. They're hunting you. They want the. They're hunting you. Oh, ça veut dire que they want the artifact. Hey, tu peux pas faire sauter la sécurité, toi. Ah, mais non. Stop at nothing to take it from you. Si, peut-être. Non. Attends, je suis en train de regarder, y'a peut-être un moyen. Est-ce qu'il y a un moyen de tourner pour. T'as pas de dispel dans le jeu. Y'a bien moyen pour y accéder quand même, non? Merde, oui. Alors putain, là, je me rappelle plus. Attends, si on regarde par là, non, tac, ici, non. Là, non. Ah Peut-être en chutant. Ah, peut-être la tour, on était là tout à l'heure, peut-être moyen. Non. Si, on retourne à l'étage et on passe derrière les trucs éboulés. Je sais pas si on peut passer, je crois pas. Ouais, ah oui, attends, vas-y, je retourne sur quoi, le truc de vin. Ouais. Je sais pas si on peut passer. Ah non, mais il y avait. Oui, on non. Est tellement en out of bounds juste pour trouver comment on fait pour y aller, ça me fume. Là, il y a une porte là. Non, ah, venez, tout à l'heure, on avait. Il y a une partie qu'on a skip, je crois. Parce que vous savez, on est monté, vous avez voulu monter et il y avait toute une partie en bas et je crois qu'on peut y accéder par cette zone. Oula, à la caméra. Là. Ça se pète. Bah même là où il y avait le coffre, il y a Témir, j'ai mis. Non, mais c'est bon, attends. Comment on fait pour aller là? Ici, je suis sûr qu'on y est déjà. Où est-ce qu'il est? Là. Mais vous êtes déjà tout en haut? Ouais, je suis tout en haut. Oh là là, je suis tellement à la traîne. Je sais même pas pour lui passer. Bah, il y avait des lianes à côté de la porte qui permettaient de remonter au. Ah, mais oui, en fait, on a fait un détour de malade. C'est juste de dire on prend les escaliers et puis basta. Ah, mais non, c'est bon, là où t'es, Mudmir, il faut juste tomber par ce trou là. Oui, c'est ça. Non, en gros, au bout de là où il est, là, il y a un truc à péter et on peut y aller. Mais même. Attends, mais pourquoi il y a quelqu'un qui parle? Ouais, y'a un buste qui parle là, on est bien d'accord. Attends. Attends, mais pourquoi mon perso il est full bugged là? Alors là, y'a une porte, là où je suis. Attends, mais on a un buste qui parle, s'il te plaît. Ouais, oui, c'est ça, chaque chose en son temps, déjà parlons au buste. Et derrière le. Enfin, si on tombe dans le trou qui est à l'étage juste pour aller arriver. Bon, bah c'est pour toi, Arda. Ah, mais... ah, mais... ah, bah ouais, y'a un truc pété à péter là-bas, c'est ça?
Oui, c'est ouais. Ça, au bout du couloir, il y a un truc qu'on peut casser. C'est ouvert. Je vais quand même essayer de voir si ma technique fonctionne. Il y a des tonneaux, ils ont pas été. On n'a pas regardé ce qu'il y avait dedans. Ouais, je laisse l'aspirateur à loot s'en occuper. Qu'est-ce qu'il racontait le bus qu'il a ? Rien. Tenez vos positions, je crois. C'est ça. Hold the line, quoi. J'ai un casque médium. Ah non, je suis seul à pouvoir porter du médium, c'est ça ? Oui. Non, ouais. Il y a un Katox qui peut aussi. Non, non. Attends, je regarde. Non, c'est léger qui peut, toi. Moi, je suis du léger, moi. Okay. Ah, c'est dommage. Et si, avant d'ouvrir cette porte, on finissait l'épisode là ? Ça me semble une bonne idée. N'est-ce ça pas, peut hein. être une bonne idée. C'est ouais. une riche idée. Je peux ouvrir la porte. On n'aura pas une autre. Allez. Bah, j'espère que l'épisode vous aura plu et on se retrouve très bientôt pour la suite. Des bisous. Allez, ça. Ciao. Bye.